j'aimerais répondre à ce truc parce que... C'est assez incroyable. Le nombre de tweets qui nous ont accusés de recevoir une ministre de gauche en plus, oh là là, ouais. Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ça, vous avez... Mais alors qu'effectivement, les mêmes ne nous ont pas... Ils vont être contents ce soir, parce qu'on en a une autre, de oui, ministre de gauche. Parce que je vais vous dire pourquoi, tout simplement. C'est que, vous savez, il y a, des calculs qui sont faits pour chaque émission, et nous sommes très en retard par rapport aux membres du gouvernement. Donc, effectivement, on va recevoir deux semaines de suite des ministres. Mais enfin, quand on a reçu M. Le Maire ou Hervé Mariton, les mêmes personnes, comme Xavier Damour ou d'autres, ne nous ont pas reproché de recevoir des politiques de l'opposition. Voilà, il y a un véritable équilibre. Et là, c'est peut-être un compliment, là. Ah, c'est un compliment, vous pensez? Ah oui, la France de Zemmour s'est suicidée pour de bon. C'est une bonne nouvelle. Vous retenez la fin de la phrase et seulement. Oui. Je vous ai promis quelqu'un du gouvernement, et bien là, voici. C'est effectivement notre invitée politique de la semaine, présidente du Conseil général d'Indre-et-Loire, puis députée. Elle est depuis mai 2012 ministre des Affaires sociales et de la Santé, et même depuis le mois d'août dernier, également en charge du droit des femmes. Et ce soir, on va revenir avec elle sur l'actualité politique de cette semaine, évidemment très chargée, notamment sur le projet de loi de finances de la Sécurité sociale adopté à l'Assemblée nationale. Voici Madame la ministre Marisol Touraine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. On s'est déjà dit bonjour, on recommence. Merci d'avoir accepté notre invitation, Madame la ministre. Vous avez en charge tellement de dossiers. C'est pas un livre de Christine Ockrent, mais c'est pas loin même, voire plus, parce que je sais pas comment vous faites. Hein, parce qu'il y a tellement de dossiers sur lesquels on pourrait vous interroger. On pourrait faire 10 heures d'émission rien qu'avec vous. C'est un très gros ministère, mais j'ai avec moi des secrétaires d'État qui sont trois femmes formidables, Laurence Rossignol, Ségolène Neuville et Pascal Boitard, et qui donc m'épaulent. Mais vous avez raison, moi, il y a beaucoup de travail, mais ce que je retiens, c'est que c'est un ministère qui est celui de la vie quotidienne des gens aussi. C'est le ministère des droits, c'est le ministère pour une femme de gauche. Et moi, je revendique ce terme avec force. Pour une femme de gauche, c'est quand même un ministère où on peut faire beaucoup de choses et un ministère de conquête. Alors, les droits, évidemment, des femmes, oui. La famille, on y viendra sûrement, les allocations familiales, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, mais la santé, j'ai envie de commencer par ça, parce qu'il y a évidemment le virus Ebola dont on parle oui. beaucoup en ce moment, mais aussi, évidemment, le virus du sida. Je vous offrirai d'ailleurs, tiens, l'album de Pascal Obispo pour les 20 ans du SIDAction. Et j'ai vu dans Libé cette semaine, je ne vais pas essayer de vous piéger, hein, comme ça a été le cas pour Madame Fleur Pellerin sur un autre plateau dimanche dernier, mais vous allez peut-être pouvoir nous expliquer ce que c'est que le Truvada. Qu'est-ce que c'est que ce traitement pour prévention dont on nous parle dans la presse ces jours-ci? Oui, c'est un médicament qu'on a utilisé aux États-Unis. On propose aux gens qui ont des relations sexuelles à risque de l'utiliser dans la durée. Et en France, on considère que c'est trop risqué. Donc on a fait un test où on propose à des gens, au moment où ils vont avoir un rapport sexuel à risque, de prendre ce médicament ponctuellement. Et ça donne, l'essai donne des résultats tout à fait satisfaisants et encourageants. Donc on va voir si on peut aller vers la commercialisation de ce médicament. Pour le moment, on en est à la recherche. On en est au test et à la recherche. C'est un médicament qui s'appelle Hypergay. C'est un essai qui s'appelle Hypergay. Et c'est vrai que ça ouvre des perspectives. Mais pourquoi Hypergay? C'était le nom. C'est le nom qui a été donné. Oui, on peut s'interroger. Bah on peut s'interroger c'est les chercheurs, parce que c'est quand même limité pour le coup le risque du sida à la communauté homosexuelle, alors que le risque existe aussi. Non, mais attendez, allons jusqu'au bout. Le partenaire à risque, c'est aussi, ça peut être le mari ou la femme dans un couple hétérosexuel qui a des aventures à droite à gauche. À condition qu'il le sache. Oui, bien sûr. Oui, parce que toute la logique de ce médicament et de ce test, c'est de le proposer à des gens qui assument. Je dis bien des gens, ça peut être des hommes, des femmes, c'est principalement des hommes, mais qui assument complètement le fait d'avoir des relations sexuelles à risque. Par exemple, des hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes sans se protéger. Or, en même temps, on n'arrête pas de passer des messages de protection et de sécurité. Ça laisse sceptique, Pascal Obispo. Je trouve ça hallucinant.
quand on travaille depuis 20 ans avec les associations, de pouvoir penser qu'encore oui, on puisse avoir des rapports comme ça sans mettre de capote. Enfin, moi, j'ai du mal à entendre ce que j'entends. Ah, mais moi, je ne vous dis pas que je défends ça. Au contraire, nous défendons et nous. Mais comment vous les repérez ? C'est-à-dire que les gens vous disent, ils vous racontent délibérément qu'ils ont des rapports sexuels comme ça sans. Que les choses soient très claires. Moi et le ministère de la Santé. Faut dire qu'au gouvernement, ils sont pas mal informés en ce moment. Nous ne faisons absolument rien. Ce sont des médecins qui travaillent sur ce médicament et qui font des tests, donc proposent à des personnes volontaires pour qu'on voit si ce médicament fonctionne. Ça s'est fait aux États-Unis, ça se fait en France. Mais c'est une étude de recherche, j'insiste, ça n'est pas du tout un médicament qui est... Mais vous pensez le commercialiser ? Vous pensez... faut changer le nom déjà. France, le ministère de la Santé ne décide rien. Je voudrais ou vous rassurer ou vous dire comment ça marche. Il y a une agence totalement indépendante qui fait passer des essais et qui ensuite voit si on met sur le marché. Est-ce qu'on est en train d'aller vers une commercialisation ? Écoutez, en tout cas, les spécialistes du sida, je pense par exemple au professeur Delfrécy, qui est une des grandes personnalités avec la prix Nobel, Madame Françoise Barré-Sinoussi, qui travaille sur l'Agence nationale de la recherche scientifique médicale, et il dit que c'est une avancée extrêmement importante et ça ouvre un espoir qui est un espoir comme on n'avait pas vu depuis des années. Le seul moyen de ne pas attraper le sida pour l'instant, c'est de mettre un préservatif. Voilà, c'est ça le risque, parce que si on dit qu'il y a un médicament qu'on peut prendre avant un rapport sexuel sans se protéger et qu'il y a des bons effets, il faut faire attention à ce qu'on dit. Je partage assez ça. C'est-à-dire que vous avez matraqué le message de protégez-vous et là vous nous dites qu'en prenant un médicament moi je ne vous dis rien, je dis simplement il y a un essai qui a été réalisé, mais la vérité c'est que le seul message à faire passer auprès des jeunes et des moins jeunes, c'est protégez-vous, vivez comme vous avez envie de vivre, ayez la sexualité que vous voulez avoir, mais quelle que soit cette sexualité, protégez-vous. Et on va pouvoir le répéter dans les semaines qui viennent, puisqu'il y aura bientôt la SIDAction et la journée de lutte contre le sida. Rappelons d'ailleurs les chiffres, 6000 personnes sont à nouveau contaminées chaque année en France. Oui. 6000 chaque année en France. Et 30 000 personnes vivent avec le sida sans le savoir. Voilà. Et donc sont susceptibles de contaminer. Parce que c'est quand même important de le rappeler, pour contredire le nom du médicament ou des tests que vous avez donnés, sur ces 6000 nouvelles contaminations chaque année en France, 42% d'entre elles, certes, touchent des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais si on vous donne 42%, ça veut dire qu'il y en a 58% où il s'agit de relations hétérosexuelles, donc ça concerne tout le monde. Voilà, il faut quand même rappeler ça. 42% hommes avec hommes et 58% hommes avec femmes sont les chiffres qui ont été donnés cette semaine. Voilà pour le sida, mais c'était important d'en parler puisque Pascal Obispo était là et qu'il travaille avec Lynn Renaud beaucoup en faveur de la lutte contre cette maladie, et Kiss and Love sera en vente dès lundi prochain. Ebola, alors maintenant, ça c'est une autre inquiétude. Est-ce que d'ailleurs on a des raisons d'être inquiets chez nous en France ? Je suis très vigilante et je crois que nous devons en France être très vigilants, mais surtout ne pas céder à la panique. Vous avez dit en France, et c'est ça la chose importante, parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a une épidémie comme on n'a jamais connue et qui d'ailleurs oblige à ce qu'on s'engage fortement, et la France le fait, on envoie des médecins, des infirmières et on va en envoyer de plus en plus, parce que pour se protéger en France... Il faut essayer d'arrêter l'épidémie dans les pays qui sont concernés en Afrique. Mais c'est en Guinée essentiellement. C'est en Guinée que la France s'engage, mais il y a une épidémie au Sierra Leone, au Libéria. Et puis on voit que les Anglais qui s'en occupent. Oui, on va dire chacun qu'ils investissent. Son secteur. C'est un peu ce qui a été décidé, notamment la Guinée est francophone, donc c'est plus simple pour eux aussi d'être en contact avec des francophones. En France, je me suis mobilisée dès le début de l'épidémie. C'est-à-dire que là, une des premières choses que j'ai faites, c'était au mois d'avril dernier, il y a 8 mois, donc pas il y a quelques semaines. Je suis allée m'assurer que le centre médical de Roissy était capable de prendre en charge quelqu'un dont on pourrait se dire qu'il avait Ebola. Et depuis, on a mis en place toute une série de mesures pour organiser nos hôpitaux et puis pour informer les gens, parce que beaucoup de gens ont des inquiétudes. J'ai mis en place un numéro vert
qu'ils peuvent appeler. Et ce que je constate, c'est qu'au début, il y a à peu près 3 semaines, on avait beaucoup d'appels. Aujourd'hui, on en a un petit peu moins, ce qui laisse à penser que les messages sont passés. Il y a des informations qui sont transmises. Et moi, ce soir, je vais en profiter pour en passer une information. Rappeler que quand on n'a pas de fièvre, quand quelqu'un n'a pas de fièvre, il n'est pas contagieux. Et que si quelqu'un a un doute sur sa santé, s'il revient de Guinée, par exemple, depuis moins de 3 semaines, il ne faut pas aller voir un médecin, il ne faut pas se précipiter aux urgences, il faut faire le 15. Et là, on sera pris en charge par un système qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peut éventuellement amener à faire des tests biologiques. Mais je rassure, nous n'avons pas de malades d'Ebola sur le territoire français aujourd'hui. Nous serons peut-être amenés à rapatrier des personnes malades depuis la Guinée, par exemple, ou d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, des personnes qui sont engagées sur le terrain. Nous l'avons fait pour une jeune infirmière de Médecins Sans Frontières. Nous aurons peut-être à le refaire dans les semaines ou dans les mois qui viennent, ou dans les jours ou dans les semaines qui viennent, je ne sais pas. Nous assumerons nos responsabilités parce que nous avons une responsabilité dans ce domaine. Léa Salamé, sur d'autres sujets peut-être. Alors, qu'est-ce que le gouvernement a contre la famille ? Écoutez, franchement, Léa Salamé, je trouve cette caricature assez étonnante. Parce que j'ai lu d'ailleurs la tribune d'un député UMP qui disait « la gauche n'aime pas la famille ». Je ne vois absolument pas à quoi cela correspond. Moi, j'ai pas dit la gauche, avoir des généralités. J'ai dit ce gouvernement. Oui, mais c'est un gouvernement de gauche. Donc, au fond, c'est une forme de caricature, je trouve, parce que dès lors que l'on fait évoluer la politique familiale, alors on la remettrait en cause. Et moi, je veux rappeler que depuis 2 ans, nous nous sommes très fortement engagés pour la politique familiale. Parce que les familles bougent, les familles changent, elles évoluent et elles attendent autre chose que simplement le statu quo et l'immobilisme. Nous avons revalorisé des prestations familiales qui sont plus particulièrement destinées à des familles modestes, par exemple l'allocation de rentrée scolaire. Nous avons revalorisé très significativement une allocation qui s'appelle l'allocation de soutien familial pour un parent, en général une femme, qui est seule avec des enfants. Nous avons revalorisé très fortement une allocation pour des familles nombreuses, modestes, et nous lançons un plan crèche qui, pour moi, est le plus important, ce qu'il y a de plus important. Parce que, franchement, la politique familiale, on ne peut pas dire c'est juste des allocations. Alors, c'est vrai. C'est aussi accueillir les jeunes enfants. Je ne dis pas c'est juste des allocations. D'abord, je voudrais reciter cette promesse du candidat Hollande. Moi, président, je maintiendrai toutes les ressources affectées à la politique familiale. Mmh. Bon, il ne l'a pas fait, vous me l'accordez. Bon, là, il ne l'a pas fait, il n'a pas maintenu toutes les ressources affectées à la politique familiale. Là, il y a des économies. Nous faisons des économies relativement limitées, Léa Salamé. Je vous pose la question. Et en même temps, nous lançons d'ailleurs, une politique en matière de crèche qui est très importante. Mais contrairement à ce que vous dites, nous ne diminuons pas le budget de la politique familiale. Vous m'avez entendu dire ça. J'ai cité François Hollande qui dit « Je maintiendrai toutes les ressources affectées à la politique familiale ». Ah oui, mais les ressources, elles sont maintenues. Alors, depuis que François Hollande est à l'Élysée, vous avez abaissé à 2 reprises le quotient familial. Oui. Depuis que François Hollande est à l'Élysée, vous avez réduit le congé parental et la prime de naissance. Et surtout, donc, que François Hollande est à l'Élysée, pardonnez-moi, parce que là, c'est le gros de ma question. Vous avez donc décidé, et c'était l'actualité de la semaine, de moduler les allocations familiales, de réduire donc les allocations familiales en fonction des pour les plus hauts revenus. Critiques qui vont sur tout le spectre de la classe politique, c'est-à-dire de Nicolas Sarkozy à Jean-Luc Mélenchon. Ils ont critiqué le fait que vous touchiez au principe d'universalité et que vous matraquiez, c'est le mot notamment de la droite, les familles. Moi, je ne suis pas la porte-parole ni de la droite ni de Jean-Luc Mélenchon, mais je pose la question. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'au bout de 2 ans et demi de l'arrivée de François Hollande au pouvoir, on a quand même cette petite musique que quand il y a des efforts à faire, c'est les familles qui trinquent ? Non. Parce que ça ne correspond à aucune réalité chiffrée. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, vous me parlez de Nicolas Sarkozy et de Jean-Luc Mélenchon, parlez-moi des Français.
Qu'est-ce que disent les Français ? Les syndicats ont critiqué également votre politique. Que disent les Français ? Nous avons toutes des études. Dans les études les moins favorables, nous avons 70-75% des Français qui trouvent assez juste que les 10% de familles qui ont les revenus les plus aisés aient des allocations un peu plus faibles. Alors, c'est quand même quelque chose qui apparaît simple à comprendre. Soyons c'est pour cela que soyons d'ailleurs même fait. Plus concret que ça. Pardon, Léa Salamé et Madame la Ministre, qu'on comprenne bien ce que c'est, parce qu'il n'y a pas eu de suppression d'allocations familiales, il y a eu juste une modulation des allocations familiales en fonction des revenus. Quels sont les Français, comme ça on va avoir des chiffres, moi je le sais, j'ai la réponse, mais vous allez les donner, quels sont les Français qui ont vu leurs allocations familiales diminuer? Puisqu'il s'agit de ça, certaines familles vont toucher moins d'allocations familiales qu'avant. Lesquelles? Si vous avez deux enfants, il faut que la famille gagne plus de 6 000 euros net par mois. Et après, on rajoute un peu, 500 euros par enfant. Et au-delà de 8 000 euros net par mois, on diminue vos allocations, on les divise par 4. Au-delà de 6 000, on les divise par 2. Moi, je voudrais Qui gagne mensuellement moins de 6 000 euros n'est pas touché. Euros, c'est-à-dire, c'est 90% des familles pour qui ça ne va rien changer. Moi, je voudrais rappeler le salaire moyen en France. Le salaire moyen, c'est 1 700 euros. Et donc, on voit bien que 90% des familles ne vont pas être touchées. Donc, moi, je récuse un peu ce côté binaire qui voudrait que soit on sacrifie la famille, soit on ne touche à rien. Franchement, famille, elle bouge et les parents attendent d'autres choses que les allocations. Moi, je m'interroge, Marisol Touraine. À partir du moment où vous avez touché à ce tabou qui était l'universalité des allocations familiales. Pourquoi, à partir du moment où vous avez mis le doigt dans la brèche, pourquoi est-ce que vous ne l'étendez pas et vous n'en faites pas un principe? Si vous dites que ce principe est juste, qu'il est équitable, que les plus riches touchent moins d'allocations familiales, pourquoi est-ce que vous ne l'appliquez pas au remboursement des médicaments ou au remboursement de l'acte médical? C'est ce que dit Martin Hirsch notamment. Martin Hirsch, il dit ça. Il dit, mais c'est juste. Et je ne vois pas pourquoi un PDG serait remboursé de la même manière d'un acte médical qu'un ouvrier. C'est peut-être sa position, c'est ça. Même sûrement. Il dit, oui, je le sais très bien. Le même acte médical peut représenter 2 mois de salaire pour quelqu'un et 4 jours pour un autre. C'est sans doute. À partir du moment où vous avez mis le doigt dans... Si, vous avez remis en cause le principe d'universalité. Moi, je vous dis non. À partir je vous dis non parce qu'il y a une différence fondamentale. Moi, je vous dis qu'il y a une différence fondamentale. La politique familiale, c'est une politique d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on soutient les familles avant qu'elles aient des enfants, parfois... pendant, pour leur permettre de faire garder leurs enfants. La politique de la santé, c'est on assure face à un risque. C'est-à-dire qu'il y a une contribution des gens. Vous cotisez, vous ne cotisez pas pour votre politique familiale. Là, vous cotisez pour la santé. Et personne, moi je le dis, personne ne peut assumer des risques comme une maladie grave ou même parfois ou plusieurs maladies moins graves. Donc pour moi, ce principe-là, il est absolument intangible. Et ce que je fais depuis 2 ans va exactement à l'encontre. Non, ce serait pas équitable. Depuis 2 ans, ça va exactement à l'encontre de ce que vous dites. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement des mots, des principes. Depuis 2 ans, je fais en sorte que ce qui reste à la charge des Français en matière de santé diminue. Et ça diminue. Alors qu'au cours du mandat précédent, ça avait augmenté. Les dépassements d'honoraires qui sont la chose la plus injuste qui soit, puisque pour le coup, vous devez avancer de votre poche une partie de la consultation. Les dépassements d'honoraires ont reculé, ont diminué, qu'il s'agisse de l'hôpital ou qu'il s'agisse de la médecine de ville. Donc moi, j'ai engagé des réformes qui, justement, viennent consolider ce caractère, solidaire, qui est pour moi absolument fondamental. La santé, c'est au cœur du pacte social. Et ce que je fais depuis 2 ans, c'est de consolider ce pacte social, ce qui ne veut pas dire ne toucher à rien, parce que, évidemment, on doit faire évoluer justement, les puisqu'on choses. Parle des soins, j'ai entendu ça, et je ne sais plus qui a dit ça cette semaine, mais ça m'a interpellé, je me suis dit, ce ne serait pas bête. Quand il y a un médicament générique, pourquoi continuer à rembourser les autres, les médicaments qui sont équivalents? On pourrait arrêter de rembourser des médicaments quand tout le monde pourrait prendre un médicament générique chez le pharmacien. Ça, ce serait une mesure qui toucherait
personne. Nous développons beaucoup les médicaments génériques et nous faisons en sorte que ces médicaments soient davantage... Les développer, c'est une chose, mais continuer à rembourser les médicaments du même type. Parce que les tous ceux qui ont de l'argent, s'ils veulent vraiment continuer à acheter leurs médicaments, pourquoi pas, ben on ne le rembourse pas. Et on ne rembourse uniquement que le médicament générique. Oui, en fait, on peut aussi considérer que pour certains patients, médicament de base... Il faut bien faire des économies quelque part. Mais on en fait, Non, enfin, beaucoup, ça, c'est un exemple très concret qui me paraît pas... qui me paraît recevable. L'année prochaine, plus d'un milliard d'économies sur le médicament. Justement, parce que nous devons surveiller nos dépenses et que c'est absolument normal de pouvoir prendre un médicament générique plutôt qu'un médicament de marque, sauf exception. Ben, on encouragerait encore plus les gens à le faire si on ne remboursait pas le médicament de marque. Oui, mais à partir du moment... Enfin, les choses sont plus compliquées. C'est parce que les laboratoires font pression ? Non, c'est parce que quand vous avez une autorisation de mise sur le marché, enfin, ça, sont les règles, si vous voulez, qui existent. Quand vous avez reçu une autorisation de mise sur le marché... On ne peut pas revenir dessus. Si, on peut revenir dessus, mais si le générique fait la même chose, il n'y a pas de raison de rembourser l'un et pas l'autre. On peut, en revanche, flécher les prescriptions. Et à partir de l'année prochaine, il faudra que les médecins prescrivent les génériques plutôt que les médicaments de marque. Aymeric Carreau, et je reviens vers Léa Salamé après. Pour continuer sur la santé, dans le projet de budget de la Sécurité sociale, il y a un amendement de Michel Delaunay sur le tabac qui a été rejeté. Un amendement qui prévoyait de fixer le prix des paquets de cigarettes sur le coût sanitaire pour la société. Ça aurait doublé à peu près le prix du paquet. C'est pas un sujet anodin du tout. Sauf qu'on n'en parle pas, justement. C'est pour ça que je voulais en parler avec vous ce soir. Parce que le tabac, l'alcool aussi, ça a un coût considérable pour la société. Coût humain, coût dramatique. Le tabac, c'est 70 000 morts par an. 73 000. 73 000. Ouais. Merci d'être encore plus précise. J'aime ça. Et, et l'alcool, je crois qu'on a... Il y a peut-être 3 000 qui ont arrêté de fumer au moment où on se parle. Hein, c'est possible. Mais il y en a surtout 10 qui sont morts depuis le début de cette émission. C'est vrai. Voilà. 10 qui sont morts. Parce que là où vous avez raison, c'est qu'au fond, le tabac tue. Et il tue sans qu'on en fasse une affaire spectaculaire. Moi, ce que je donne comme image, imaginez que tous les matins, vous vous réveillez, vous mettez la radio ou vous mettez la télé et vous apprenez qu'un avion avec 200 personnes à bord s'est écrasé. Eh bien, c'est très exactement ce qui se passe. Tous les jours, 200 personnes meurent du tabac en France. Absolument. Et on fait comme si on s'y était habitué. Sauf que j'ai lancé un plan pour lutter contre le tabac. Bah justement, on n'en voit pas forcément les effets. On pourrait également... Bah non, j'ai lancé il y a un mois. Voilà pourquoi on n'en voit pas les effets, alors. Moi, je veux bien N'empêche que cet amendement ne passe pas. Parce qu'il faut quand même rappeler, je trouve quand même... Voilà, l'alcool, c'est 50 000 morts par an aussi. Donc voilà, on pourrait aussi parler de l'alcool. Ouais. Mais c'est surtout le coût. Enfin, c'est pas surtout, c'est aussi le coût pour la société. 47... milliards. Oui, il y a une étude qui a quelques années qu'on est en train de refaire et qui évalue le coût social, général, du tabac à peu près cela. Des morts et des maladies du tabac. Mais pas simplement les maladies, c'est aussi... Il compte tout. Par exemple, celui qui jette son mégot de cigarette en allant se promener, il y a un feu de forêt et donc il faut envoyer les pompiers, tout ça coûte de l'argent. Mais gros, 18 milliards pour la sécurité sociale. Ça, je vais la savourer la prochaine mois. Ces 47 milliards, c'est à peu près 3 fois le déficit de la Sécu. Donc, il faudrait peut-être s'attaquer à ce problème de manière plus sérieuse. Pourquoi ? Alors, vous avez lancé un plan il y a un mois, mais pourquoi on a le sentiment que c'est un sujet qui n'intéresse pas vraiment les politiques, pas plus ce gouvernement-là que les autres ? Écoutez, là, vous tombez à côté, parce que... Ben non, mais dites-moi, alors, vous allez faire quoi concrètement ? Parce que ce plan, il a reçu le soutien de l'ensemble des associations de lutte contre le tabac, qui ont toutes dit de façon unanime qu'il n'y avait pas eu de plan de cette ampleur-là et de ce volontarisme-là depuis des années et des années. Ce plan, il porte d'ailleurs des mesures qui ne font pas plaisir à tout le monde. Et j'ai mis deux ans à le travailler. J'ai mis deux ans aussi à convaincre que c'était nécessaire. Concrètement, je ne vais pas vous dire toutes les mesures, mais il y a des mesures assez fortes. Il y a une mesure dont on a beaucoup parlé qui est la mise en place du paquet neutre. Oui. Ça va prendre un peu de temps, mais n'empêche que c'est une mesure extrêmement importante qui a été mise en œuvre en Australie, que les Anglais sont en train de préparer, les Irlandais, et c'est un changement complet, parce qu'on sait très bien que l'industrie du tabac joue sur le packaging, l'attrait des paquets de cigarettes pour vendre des cigarettes. Donc ça, c'est une mesure tout à fait importante.
Pourquoi ce ne sera pas efficace? Parce que ça ne va pas arrêter. Un fumeur, il taxe même quelqu'un dans la rue avec n'importe quel clope en se foutant totalement dans quel paquet elle est. Écoutez, en Australie, on a vu un effet. Et la principale cible, ce sont les jeunes. C'est-à-dire que celui qui fume depuis déjà des années, qui est complètement accro au tabac, il faut avoir d'autres actions. C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas vous passer de cigarette, paquet neutre ou pas paquet neutre, vous allez acheter vos cigarettes. Là, on est d'accord. Mais si vous n'avez pas fumé ou vous commencez, on sait qu'en France, on commence jeune, 12, 13 ans, pour des raisons qui sont les copains, être dans un clan, etc., un groupe d'amis. Il faut essayer, oui, se faire accepter. Le paquet neutre, ça provoque des réactions. En Australie, qu'est-ce qu'on a vu? Non, on ira dans un club paquet neutre. Un club paquet neutre? Oui, mais écoutez, si ce que vous voulez dire, c'est que paquet neutre tout seul ne règle pas le problème, une mesure forte, c'est ce que proposait Michel Delaunay. Ça, c'était fort. On double le prix du paquet de cigarettes. Déjà là, vraiment, il y a un effet... Vous voulez voir tout le monde dans vous la savez, rue écoutez, il y a l'interdiction de fumer dans les voitures ou dans les parcs où il y a des enfants. Oh là là, on va aller loin avec ça. Parce que vous êtes pour qu'on fume dans les voitures? Si c'est une décapotable, je ne fume pas, vous savez. Donc, Non, mais pas vous. Mais là, que des gens fument dans les voitures. C'est très anecdotique, pardonnez-moi, mais je pense pas que ça va changer les habitudes. C'est le téléphone portable dans une main et la cigarette dans l'autre. Alors, il faut reconnaître que ceux-là, ils sont mal partis. Et on a une incohérence qui n'est pas que française, mais qui en France, en tout cas, est très marquée. Ça concerne justement la manière dont on traite le tabac et l'alcool, je les mets dans la même catégorie, et le cannabis. Vous m'aviez déjà parlé de ça la dernière fois que je suis venue. Ah oui, ça le... C'est vrai. Oui, oui, donc ça doit faire partie de vos obsessions. Sauf qu'il y a une petite nouveauté, c'est que... Je serais vous, si vous essayez d'insinuer que je suis un fumeur de shit, si je l'étais, je vous le dirais, ça ne me gênerait absolument pas. Ah non, mais moi, personnellement... Mais il se trouve que je ne fume ni tabac, ni shit. Mais simplement, j'essaie de penser à une cohérence. Vous savez que la cohérence, c'est quelque chose dans ce gouvernement, je sais, qui est un mot que vous ne connaissez pas toujours. Mais peut-être sur un sujet comme celui-ci, vous pouvez essayer de faire un petit effort de cohérence. On connaît la nocivité du tabac, on connaît la nocivité de l'alcool, que vous ne niez pas, qui sont donc en vente libre. Aujourd'hui, on a des tas d'études, on en a de plus en plus, qui en revanche ne nous disent pas qu'il y a la même nocivité sur le cannabis. En tout cas, le cannabis, on est sûr d'une chose, c'est pas plus nocif que le tabac, ça, personne ne le contestera. On a des États aujourd'hui, les États-Unis par exemple, qui envisagent de plus en plus sérieusement, qui le font, qui ont dépénalisé le cannabis à usage thérapeutique dans une vingtaine d'États. Pour le plaisir dans deux états. Bref, et nous, on est encore super bloqués. Mon objectif, et c'est ce que j'ai dit en lançant le plan tabac, c'est qu'en une génération, on fasse quasiment disparaître le tabac. Donc ce n'est pas pour dire, écoutez, c'est la fin du tabac. Moi, mon objectif, c'est que les bébés qui naissent aujourd'hui soient la première génération de non-fumeurs. Ce n'est pas pour dire à côté, mais allez-y, prenez du cannabis et je lâche les voiles là-dessus. Pour moi, c'est une question de cohérence, c'est-à-dire que je ne vois pas comment je peux porter des messages de santé publique forts et fermes sur le tabac, sur l'alcool, tout en disant il y a des risques qui sont liés au cannabis, mais au fond, c'est peut-être moins grave, donc allons-y. Ma cohérence, c'est plutôt de dire faisons reculer l'ensemble des addictions. Léa Salamé, autre sujet. Qu'est-ce que la ministre de la Santé pense de la proposition de Facebook et d'Apple aux États-Unis d'offrir à leurs salariés femmes de payer pour qu'elles puissent congeler leurs ovocytes et poursuivre leur carrière? Est-ce que c'est une bonne chose ou ça nous choque? Vous savez, je ne suis pas sûre que ce soit la ministre de la Santé qui a envie de vous répondre sur cette question-là. Pourquoi ? C'est presque autant la femme, la ministre des Droits des Femmes, mais la femme, parce que ça me trouble énormément. Que ce soit des entreprises qui proposent à leurs salariés, au fond, on ne sait pas très bien pourquoi, peut-être pour qu'elles soient... plus compétitive, plus travailleuse à un âge où on a envie de faire des enfants, de prévoir la suite et de congeler leurs ovocytes alors qu'on ne sait absolument pas si ça va marcher. Et que c'est une façon, je trouve, assez... cynique. J'allais employer un mot plus dur, donc presque totalitaire. Enfin, il y a une forme de totalitarisme, je trouve, à dire... au moment où, ne choisissez pas le moment où vous voulez faire des enfants. Et pour moi, la vie familiale,
sa plénitude, c'est de pouvoir choisir le moment où on l'a construit, la manière dont on l'a construit, et il faut que la vie professionnelle soit possible en même temps. Et ce qui se passe en France, oui, justement, c'est qu'on a du retard en matière d'égalité professionnelle, mais la France fait des efforts pour que les femmes qui veulent travailler puissent le faire tout en ayant des enfants. Et il y a des entreprises, pas assez encore, mais il y a des entreprises qui s'engagent là-dedans, à travers toute une série de choses. Alors, on voit des entreprises qui mettent en place des crèches, on voit des entreprises qui ne font pas de réunion après 6 heures du soir, et à côté de ça, vous voyez d'autres, oui, qui vous disent, écoutez, ce serait quand même mieux de travailler que d'avoir des enfants. On va congeler vos ovocytes. Congeler vos ovocytes, et puis on espère pour vous que ça va marcher dans 10 ans. Vous êtes contre les congelés payés, mais... par l'entreprise. Mais... Léa... Au-delà, pardonnez-moi... Au-delà du cynisme de l'entreprise, de ces entreprises américaines et de ce libéralisme à outrance appliqué au corps des femmes et à la procréation, ouais, sur le fond, il y a une vraie question qui se pose pour les femmes et qui sont trentenaires. Soit qu'elles veulent faire carrière, et ça se passe souvent dans cette décennie-là, et malheureusement l'injustice est ainsi faite qu'en gros il vaut, oui, mieux faire des, oui, enfants avant 40 ans, et voilà, oui, 42 ans, et elles se, ouais, trouvent devant un choix qui est juste, qui est de plus en plus répandu à mesure que, voilà, à un moment... Ça n'aide pas forcément à monter dans la hiérarchie que d'être enceinte à 35 ou à 38 ans. Il y a aussi des femmes qui découvrent qu'elles ont des problèmes de fertilité assez jeunes, à 33, 35 ans. Ma question, elle est au-delà maintenant. On oublie, oui, Facebook et Google. Pourquoi est-ce que vous n'autorisez pas, en France, de congeler les ovocytes ? Parce que, enfin, que la réflexion s'engage, moi, je l'entends. J'ai d'ailleurs eu des discussions sur cette question-là avec des médecins, avec des... Même le professeur Oliven, notamment, qui est très connu. Il dit, oui, je ne demande pas des remboursements de cette affaire, mais je demande... Mais oui, j'en ai parlé avec le voilà, professeur Friedman. Donc, ce sont des discussions qu'on peut avoir. Ça mérite qu'on ait une réflexion sur la façon dont on conçoit la fertilité ou le rapport des femmes à leur fertilité ou des couples à la fertilité. Moi, je suis prête à ce qu'on ait un débat, mais je ne suis pas prête à jouer à l'apprentie sorcière. Et je trouve que ce sont des sujets pour lesquels il faut avancer avec précaution. Donc oui au débat, mais attention à ce qu'on ait bien des garde-fous éthiques, parce que ce sont des sujets éthiques. Vous aurez droit encore à une question chacun, mais je vais faire un petit tour de table. Christine O'Krent a sûrement une question ou une réflexion à faire sur ce qu'elle vient d'entendre de la part ou de mes camarades ou de Madame la Ministre. Quelque chose vous a interpellé ? Je crois que toute la question de la liberté du choix de la femme, et notre génération a bénéficié de ça, ce n'était pas le cas de nos mères et grand-mères, bien évidemment. Je ne reviens pas sur cette histoire de Google, etc., la Silicon Valley qui est complètement marteau, mais on sait aussi qu'il y a des pays d'Europe, nos voisins, qui autorisent ce genre de pratique. Et donc, il y a un moment où il y a quand même une mise en conformité pour éviter un espèce de tourisme d'exportation, enfin c'est affreux l'expression, ouais, pardonnez-moi, mais d'exportation des ovocytes, et où en gros on va les congeler en passant les frontières. Et c'est très troublant en Europe aujourd'hui, et c'est vrai non seulement pour le problème de la congélation, mais pour la procréation médicalement, ouais, assistée, etc. C'est de voir à quel point d'un pays au sein de l'Union européenne à l'autre, les pratiques divergent, et la France a cette particularité forte d'être extraordinairement conservatrice. Alors on peut dire, c'est formidable, les valeurs, la famille, etc. Mais il y a un moment, je crois, où pour des générations plus jeunes, avec l'évolution des modes de vie, l'évolution des modèles familiaux, on voit de plus, ouais, en plus de gens qui vont chercher ailleurs des solutions qu'ils ne trouvent pas chez nous. Je suis très fermement opposée à tout ce qui ressemble, à tout ce qui est de la marchandisation du corps. Je considère que, au nom de ce que c'est ça se fait dans d'autres pays, non, mais le fait que ça se fasse, oui, mais vous pouvez, je peux, certains me disent la même chose que vous, me disent ça se fait en Angleterre, ça se fait ailleurs en Europe. Pourquoi est-ce qu'on n'autoriserait pas la gestation pour autrui en France, alors qu'il suffit d'aller à Londres ou en Inde ou aux États-Unis pour pouvoir le faire. Et au fond, si on a ce type de réflexion, alors ça veut dire qu'on s'aligne sur une forme de libéralisme mondial sans affirmer nos valeurs. Et moi, je crois beaucoup qu'on doit réfléchir, faire évoluer les choses, bien sûr, mais se dire à quoi est-ce que
Je crois vraiment. Et moi, je crois que le corps n'est pas une marchandise. Patrick Sabatier, je change de sujet. Vous avez été un gros fumeur, vous? Oui, j'ai été fumeur. Et alors, je veux dire que quand vous me disiez là, 200 personnes par jour, un avion qui s'écrase tous les matins, et c'est vrai que c'est ahurissant. Je ne fume plus déjà depuis quelques années. Je m'en porte beaucoup mieux. Combien vous fumiez de cigarettes par jour? Un paquet de cigarettes par jour. Un paquet par jour. Mais c'est beaucoup, oui, c'est beaucoup. Puis pendant longtemps. Je rejoins ce que dit Aymeric. Je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour vraiment être très coercitif par rapport à la cigarette, parce que c'est vraiment un mal énorme que ça fait à notre santé. Donc tout ce que vous ferez sera la bienvenue. Mais je crois qu'il faudrait avoir des méthodes qui consisteraient tout simplement, mais je ne sais pas, évidemment c'est impossible, mais de ne pas en vendre, enfin d'en vendre très peu, d'en vendre moins, d'en vendre dans des endroits... Nos amis buralistes qui nous regardent, toute une carrière dans le jeu de grattage. Je sais que c'est un problème économique également, mais enfin, ça fait tellement de mal que je me dis qu'il faudrait trouver des solutions encore plus radicales. On a lancé une campagne de com, à la fois sur Internet et à la télé, dans les cinémas, beaucoup plus forte que ce qui se faisait auparavant. Donc il y a une campagne d'animation plutôt sympa sur Internet, sur les jeunes, qui rappelle les chiffres, justement, les morts, les risques, les maladies. Et puis il y a ce film qui a provoqué des réactions assez partagées. Qui est terrible. Et moi, voilà, c'est la première fois qu'une campagne de pub fonctionne sur moi. C'est-à-dire que je suis restée... sur cette mère qui parle à ses enfants, qu'on ne voit pas, est en train de ranger le lit d'hôpital où elle est morte, et elle parle à ses enfants en disant voilà, j'aurais voulu vous dire que, et puis on voit une infirmière, on entend sa voix qui dit qu'elle n'aura peut-être pas la force de leur parler, et l'infirmière qui prend un sac et puis qui jette les traces de vie, les dessins des enfants. Et c'est vrai que c'est violent. Ah, c'est violent, j'ai vu ça, ça m'a angoissé, j'en ai grillé une toute derrière. Et il y a aussi une voix d'homme. Pascal Obispo. Moi, j'ai arrêté de fumer. Vous avez arrêté, parce que vous avez été fumeur, vous aussi. Hein. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire, Laurent Ruquier. En ce moment, j'arrête tous les 15 jours, moi. Alors. Mais là, je suis dans ma période sans depuis 3 jours. Voilà. Moi, je fume que les cigarettes par plaisir. Ah. Voilà. Mais parce qu'on est dans... Qu'est-ce que vous appelez les cigarettes du plaisir? Les cigarettes du plaisir, par exemple, je ne sais pas, quand on rencontre quelqu'un qu'on aime Caron. Bien. Je n'ai pas eu le plaisir d'être invité pour l'instant, mais peut-être. Oh. Non, enfin, je veux dire, on n'a pas encore fait de... Oui, tu m'as invité, mais on n'a pas encore dîné. Enfin, bref. Non, moi, j'ai arrêté du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne vous regarde pas. Vous fumez toujours le cigare, Christine? Ah non, moi, j'ai arrêté... Même le cigare? 25 ans, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. Riyad Satouf, une question à Madame la Ministre. Oui, mais juste par rapport au tabac, parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi beaucoup fumé. Je fumais 2 paquets par jour. Et en fait, moi, il y a un truc que je me suis toujours demandé, pour ayant commencé... pas si jeune, mais comme les paquets augmentent tout le temps, en fait, quel est le plan vers le futur, en fait? Est-ce que les paquets vont augmenter jusqu'à ce que ça aille 70 euros le... Est-ce qu'il y a un moment, comme disait Patrick Savatier, est-ce qu'à un moment, on va dire, bah, ça coûte trop cher, on arrête de les vendre, ou... Quel est le principe de l'augmentation? L'idée, c'est que plus les paquets sont chers, plus il y a des gens qui arrêtent effectivement de fumer, en particulier chez les jeunes. Oui, il faut augmenter d'un coup, mais là, on a augmenté pas mal au cours des 2 années écoulées. Cela dit, le choix qui a été fait, c'est de moins toucher au prix et d'avoir tout un ensemble de mesures. Et vous allez avoir des défilés de buralistes. Mais si vous voulez... Des manifs pour tout. Mais si vous voulez que... Allez, une dernière question. Aymeric et Léa. Vraiment, réponse courte, hein, vous connaissez le principe, c'est la dernière. Oui. J'ai juste continué la discussion amorcée la semaine dernière avec Najat Vallaud-Belkacem, et puisque vous êtes dans le même cas qu'elle, ce serait injuste que je ne vous pose pas la question. Vous êtes donc toujours conseillère générale? Je suis conseillère générale, et moi je l'assume complètement. Najat aussi l'assume. Je l'assume complètement. On a voté une loi contre le cumul des mandats, qui rentre en application en 2017. Ouais. Lorsque je suis devenue ministre, moi j'étais présidente du Conseil général. Et j'ai démissionné de la présidence du Conseil général. Tout à fait. Parce que ça, pour le coup, je ne vois pas comment j'aurais pu diriger le département, enfin le Conseil général, et être ministre. Et je suis redevenue conseillère générale de base, et au fond, je l'assume. Donc, c'est aussi un attachement et une forme de fidélité à mes électeurs. Mais moi, je le dis, voilà. Non, parce que j'ai lu votre discours, celui que vous avez
fait lorsque vous avez quitté la présidence du Conseil général pour expliquer. Bah oui. Alors vous dites, hein, c'est pour respecter les principes édictés par ses ministres, par François Hollande, etc., etc. Et vous dites, un ministre doit l'être à plein temps. Cette règle non écrite semble naturelle. Elle n'a pourtant jamais été aussi pleinement appliquée que par le gouvernement dans lequel j'ai eu l'honneur d'être nommé et confirmé. C'est donc un engagement total que je vouerai à ce gouvernement, etc., etc. Je respecte ce principe, bien sûr. Un engagement total que je vouerai à ce gouvernement ? Pardon ? Un engagement total que je... Oui, c'est ce que vous dites. C'est donc un engagement total que je vouerai, que je voue déjà à ce gouvernement, etc., etc. Je respecte bien sûr ce principe parce qu'il est voulu par François Hollande, mais aussi parce qu'il correspond à ma manière de voir les choses, à mon éthique personnelle, qui veut que les choses doivent être bien faites. Tout le discours, c'est déjà chiant à l'époque. Alors, là, il y a un problème dans ce que vous dites, puisque vous dites, je quitte la présidence pour être une ministre à plein temps. Donc, il y a problème. Soit vous êtes vraiment une ministre à plein temps et vous touchez donc une rémunération de conseillère générale d'à peu près 2500 euros par mois pour ne rien faire, soit pour un emploi fictif, soit vous avez menti, vous n'êtes pas ministre à plein temps. Mais il y a un truc qui ne colle pas. Non, je suis ministre. Je ne crois pas que qui que ce soit considère que je n'assume pas mes responsabilités ministérielles. Donc je les assume. Donc vous êtes ministre complètement à plein temps. Et je vais aussi dans mon comment département. Comment on fait pour avoir plus de temps que plein temps? Vous dormez de temps en temps. Est-ce que vous dormez? Est-ce que ministre à plein temps, c'est... Moi, je suis un être humain, donc je dors toutes les nuits, comme à peu près tous les êtres humains. Peut-être un peu moins que d'autres, parce qu'on a effectivement beaucoup de travail. Et je fais mon travail... Il y a le conseil des ministres, pour ça, pour dormir un peu... ça dépend qui. En tout cas, moi, je ne dors pas pendant le conseil des ministres. Vous le rappeliez tout à l'heure, le salaire moyen des Français, c'est vous qui l'avez dit, est de 1700 euros. Oui, 1700, oui. C'est ce que vous avez dit. Vous trouvez normal d'avoir un supplément de salaire de 2500 euros pour un job qui vous prend quoi? Quelques heures par mois? Ah non, pas quelques heures par mois. Bah je suis dans mon... plein temps, un petit peu en plus. Laissez répondre. Non, écoutez, franchement, non, mais je vous dis, moi, j'assume et je l'assume auprès de mes électeurs. D'ailleurs, je vous invite volontiers à venir dans mon département, rencontrer mes électeurs. Le nombre de voyages qu'on pourrait faire grâce aux politiques depuis qu'on est reçoit. C'est peut-être pas très lointain. On aurait visité la banlieue 500 fois. Mais je veux bien aller chez vous. La Touraine, c'est la première fois. Mais combien... Alors, je vais poser une question très concrète, comme j'ai fait Naja de la BKSM. Combien de temps par mois consacrez-vous, dans ce cas-là, à votre mandat de conseillère générale? Soyons concrets. Écoutez, moi, je suis dans mon département tous les week-ends. Il m'arrive même d'y aller en semaine. Et c'est même utile de rencontrer des gens qui sont de votre canton ou de votre département, d'ailleurs au-delà du canton, et qui vous permettent d'ajuster les mesures. Je comprends d'autant moins que, par ailleurs, vous avez été élu député. Vous avez été élu député, oui. Oui, oui. Et vous avez laissé votre mandat. C'est-à-dire que si... Mais attendez, je ne suis pas député, là, puisque je suis ministre. On est d'accord. Mais si jamais, par malheur, vous ne deviez plus être ministre, ce qui peut arriver, vous récupéreriez automatiquement votre poste de député. Oui. Donc ça sert à quoi de cumuler les mandats? Mais comme c'est pas... ça c'est pas interdit. Hein. Là, il faut. Je veux dire, personne n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas être député et conseiller général. Je n'ai jamais dit que c'était illégal. Ma seule question, c'est. Vous défendez le mandat unique. Pourquoi cumuler ainsi les mandats? Vous défendez le mandat unique, vous avez parfaitement le droit. Nous ne défendons pas le mandat unique. Nous disons, on peut avoir un mandat de député et puis être conseiller municipal, conseiller général, conseiller Regardez-moi, je cumule les mandats et ça me coûte, hein, croyez-moi parfois. Mais je suis sûr, Laurent Ruquier, que peut-être que sur ce plateau, il y en a qui cumulent d'autres choses. On est que des cumulards ici. Oh, bah, le nombre de cumulards ici, regardez elle là-bas. Moi, je suis cumulard. Laurent n'a jamais dit qu'il était à plein temps dont on n'est pas couché. Il fait on n'est pas couché, puis il fait plein d'autres choses à côté, mais à chaque fois, il dit une partie de mon temps qu'on a couché, on n'est pas couché. Vous allez rester quelques mois encore. Merci Léa Salamé. Il se transforme en Louis de Funès quand il veut faire taire. Vous faites des gestes. Non, c'est pas tout à fait vrai. Vous étiez défini en 1997 comme, il y a presque 20 ans, comme Rocardo Jospiniste. En 2011, vous étiez strauss-kahnienne. Aujourd'hui, vous définissez comme Macron-valsiste. Non, moi je suis rocardienne, historiquement. Encore ? Bah, historiquement, ça renvoie à l'histoire. C'est la tradition de la deuxième gauche, et moi je me retrouve dans cette tradition-là. Avec Manuel Valls et Manuel Macron. Mais François Hollande ne me semble pas éloigné de cette tradition à laquelle il n'appartient pas. C'est celle du réalisme économique, mais c'est aussi celle d'un engagement social fort. Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase et les mots employés par Manuel Valls il y a 10 jours, il faut en finir avec la gauche passéiste, hantée par le surmoi marxiste
et par le souvenir des 30 glorieuses. Est-ce que vous emploierez les mêmes mots? Je n'emploierai pas forcément ces mêmes mots, mais je ne crois pas que la gauche ait intérêt à regarder vers le passé. On a intérêt à regarder vers l'avenir. Si on veut conquérir de nouveaux droits et proposer des belles perspectives aux Français, c'est ce que je vous disais pour la famille, pour la santé. On aurait pu parler des retraites et de l'évolution du droit, de la pénibilité, de permettre à des gens qui ont eu des métiers pénibles de partir à la retraite plus tôt. Tout ça, c'est aller de l'avant. Et regarder dans le rétroviseur, ça n'est pas utile. Le choix de Marisol Touraine parmi les dessins de la semaine, c'est celui-ci, publié par le Canard Enchaîné, un dessin signé Pétillon, le résultat des élections en Tunisie, défaite des islamistes. Félicitations, dit manifestement cet islamiste à une jeune électrice tunisienne. Je trouve que c'est à la fois drôle et puis c'est une façon de renouer avec l'espoir des printemps arabes. C'est-à-dire qu'au fond, c'est la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi que des femmes puissent être habillées comme elles le veulent, ne pas porter des voiles, ne pas subir les règles islamistes. Je trouve que c'est très encourageant. Le choix de Pascal Obispo, une soixantaine de parlementaires frauderaient le fisc. C'est un dessin signé Alex, publié par le Courrier Picard. Fallait mettre Cahuzac et Thévenoud en quarantaine, ils ont contaminé tout le monde, ces cons-là. Ça vous fait rire, madame la ministre? Pascal? Oui, ça fait plaisir, on n'est pas tout seul, quoi. Oui. Voilà, c'est un... Parce que vous avez fraudé, vous aussi? Non, moi, j'ai pas fraudé. Moi, je suis très... Mais bon... Non, non, personne n'a fraudé de ma famille, je suis transparent. Et... Claire, net. Ah, je suis clair. Mais nous n'aurons pas leur liberté de penser, a priori. Donc, voilà. C'est vrai que vous avez aussi signé la musique de cette chanson de Florent Pagny, La liberté de penser. Christine Ocretta, non, plus tard. D'abord, Patrick Sabatier avec ce dessin. Non, tu ne peux pas participer à cette émission grimée comme ça. C'est Manuel Valls qui dit à François Hollande, avec ce casque, on va te reconnaître. C'est signé Rançon pour Le Parisien. On parlait tout à l'heure du degré zéro de la politique. Hein. Donc ça fait allusion à ce qui devrait se passer peut-être sur D8. Et vous, madame Marisol Touraine? Franchement, je pense que des responsables politiques n'ont pas normalement pas besoin de se déguiser pour connaître la réalité du pays. Et c'est un peu dommage quand même d'envoyer ce message. Le choix de Riyad Satouf, c'est ce dessin sur la facture de l'écotaxe. C'est signé de Fred Touron, publié par Le Canard. Ça va coûter une fortune, le démontage des portiques de l'écotaxe. Et il y en a un autre qui lui répond, je connais des Roms qui le feraient pour rien. Pourquoi ce choix? Non mais tout simplement parce que c'est vrai que j'ai lu que ça coûtait 200 millions d'euros de retirer ces portiques hallucinants et que c'est vraiment ça fait partie des nouvelles les plus ultra déprimantes qu'on peut... On demande aux gens de faire des tonnes d'économies, il y a des gâchis hallucinants. Enfin voilà, je trouve ça vraiment profondément déprimant. On ne sait plus quoi en faire, sans compter évidemment ceux qui, pour l'instant, ne travaillent pas au sein de l'entreprise Ecomove et qui devaient récolter cet impôt. Et ils se demandent même, eux, ce qu'ils vont devenir. Le choix d'Émeric Caron, deux directeurs pour succéder à Marjorie, le PDG de Total. Nous partageons la direction et la moustache. C'est signé de Fred Touron dans Le Canard Enchaîné. Pourquoi ce choix curieux? C'est juste parce que ça me fait hyper marrer. Merci. Voilà, c'est parce que j'adore la moustache séparée en deux. Mais oui, parce que on sépare en même temps le mythe. Patrick Pouyanné donc et Desmarais, Thierry Desmarais, qui vont se partager donc cette direction. C'est juste, j'adore le trait de Fred Touron, et puis voilà, c'est le mythe en même temps de Marjorie qu'on se partage, etc. Moi, ça me fait rire personnellement. Le choix de Léa Salamé cette semaine, c'est ce dessin de Rançon, encore, dans Le Parisien, d'Esca, qui a quelques soucis. Un de ses associés, s'est suicidé en se jetant d'une fenêtre en Israël, si ma mémoire est bonne. J'ai la poisse en ce moment, dit d'Esca, je n'ai que des emmerdements. Et François Hollande lui répond, t'imagines si t'avais été président de la République? Pourquoi ce choix, Léa? Pour poser la question à Marisol Touraine, il aurait fait un bon président de la République, Dominique Strauss-Kahn. Il n'a pas été candidat, et donc, voilà. On ne peut pas le savoir. Mais pourrait-il être encore un bon président de la République, alors? Oh non, là, pour moi, ça n'a pas de sens. C'est une page de son histoire qui s'est tournée. Non, parce que vous l'avez soutenu. Ben, plus possible. Non, mais je l'ai soutenu lors de la primaire de 2006. J'étais très en colère après l'histoire du Sofitel, je le dis, très en colère, parce que je trouve qu'il n'avait pas assumé ses responsabilités, y compris vis-à-vis de ceux qui espéraient qu'il pourrait devenir président de la République. Mais tout ça, c'est du passé, et il fait d'autres choses maintenant. Et il pourrait parvenir.
Oh non, je ne vois, enfin, vous le revoyez, vous le revoyez. Moi, je ne l'ai pas revu depuis cette affaire-là. Le choix de Christine Ockrent, c'est un dessin publié par Marianne. Ah, vous êtes réconciliée avec Marianne? Non, pas du tout, je n'avais pas vu que c'était Marianne. Sinon, je n'aurais pas choisi. C'est pour ça que ça m'a surpris, parce que je sais que vous êtes en conflit. Non, mais enfin, le talent du dessinateur qui a fait ça. La dessinatrice, d'ailleurs, je crois, parce que c'est une jeune femme mieux, qui s'appelle mieux. Louison. Changer le nom des partis politiques, c'est une question qu'on se pose en ce moment. Ils sont nombreux, d'ailleurs, les partis à vouloir changer de nom. Pourquoi? Oui, ça, c'est formidable, c'est totalement français. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'à partir du moment où on trouve le mot, ou le sigle, on a résolu une partie du problème. Eh bien, s'agissant de nos partis politiques, je le déplore, mais aussi bien à gauche qu'à droite, je crois que le boulot est beaucoup, beaucoup plus considérable que simplement un changement de sigle. Vous voyez comme nous étions faits pour nous entendre, puisque mon choix, moi, c'était ce dessin de Charb, publié par l'UMA. « Si tu changes le nom du PS, dit Sarkozy à Valls, avant que je change le nom de l'UMP, tu m'en parles. Oui, qu'on ne prenne pas le même, dit Manuel Valls. » C'est un joli résumé. C'est dans l'humanité. Ah, c'est dans l'humain. Ouais, mais ouais, en même c'est temps, ça. C'est ouais. Vrai que tout est possible, hein, quand même. Non, non, non. Je ne crois pas que le Parti Socialiste et l'UMP soient. D'ailleurs, on pourrait chose. Avoir un autre dessin où ce serait Marine Le Pen qui dit la même chose à Nicolas Sarkozy et ainsi de suite. Et on verrait qu'au final, il vaudrait mieux que chacun garde son nom de parti. Un dernier dessin. Non, j'en ai pris trois, moi. Celui-ci m'a fait rire aussi. Et maintenant, quelles sont les bonnes nouvelles, demande François Hollande. Et il y a un conseiller qui lit les sondages et qui dit au deuxième tour, vous l'emporteriez face à Valérie Trierweiler. C'est terrible. C'est aussi grosse dans Marianne. Et celui-ci d'actualité qui ne va pas vous faire rire, Mme Marisol Touraine. Toussaint 2014, je cherche la tombe du Parti Socialiste, s'il vous plaît. C'est signé La Serpe dans Marianne. Il est mort, le PS? Non, il n'est pas mort. Et de toute façon, les élections ne sont pas tout de suite. Il y a évidemment beaucoup de travail de conviction à faire. Mais je suis certaine que quand viendra le moment de voir tout ce qui a été fait, on s'apercevra que beaucoup de choses ont été faites, que la droite précisément n'aurait pas faites et qui changent la vie concrètement de millions de gens. Vous êtes optimiste, tant mieux pour vous. On vous souhaite bonne chance dans votre travail, dans vos travaux, j'ai envie de dire, puisque Émeric Caron nous a éclairci sur le fait que vous travaillez aussi le week-end. Mais, oui, heureusement. Mais oui, mais nous aussi, hein, d'ailleurs. D'ailleurs. Ah bah oui, oui là, le samedi soir en direct. Je ferai un bon politique, non? Alors, déjà que je ne peux pas faire chanteur, mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci à vous. Un tour de table rapide de l'actualité de chacun. En librairie actuellement, l'Arabe du futur. L'autobiographie en bande dessinée de Riyad Satouf, ici présent, qui publie aussi, je le dis pour les éditeurs de chez Flûte Glaciale qui sont en coulisses et qui sont verts, parce que je parle de l'autre. Pascal Brutal, c'est votre héros, on va dire récurrent. Il y a combien d'albums déjà? Il y en a quatre. Quatre voilà. Albums. Ça fait 10 ans que c'est mon Big Jim. La bande dessinée vient de sortir. Voilà, il y en a deux. Il y a deux Riyad Satouf actuellement en librairie. Le Patrick Sabatier, 60 ans et alors. Il est allé à la rencontre, si ce n'est d'amis, en tout cas de personnalités qu'il a souvent croisées sur ses plateaux, télé ou à la radio, parce qu'on oublie souvent, c'est vrai, vous avez longtemps aussi animé la tranche 8h30, 11h sur RTL, et vous en avez reçu du monde, même si c'était souvent des jeux. J'avais joué, moi. J'avais gagné grâce c'est à vous. Ouais, je suis allé au Parc des Princes voir, c'était PSG contre la Juventus de Turin avec Platini à la Juve. J'avais gagné grâce à Patrick. Vous avez fait une journée pas comme les autres, c'est ça? Exactement, une journée pas comme les autres. Je sais pas quel âge j'avais à l'époque, mais grâce à vous, j'avais gagné, j'étais candidat à RTL. J'avais dîné avec Henri Salvador ou Fouquet, ça faisait partie de la journée. Oh, j'étais content. Du package. Hein. Oh, vous rendez compte. Hein. Oh. Et puis maintenant, je reçois Patrick Sabatier, tu vois. C'est un métier, il faut toujours se pincer pour y croire. Non, mais c'est vrai. Catherine Laborde, bon, elle, je m'en fiche. Guy Carlier, ben voilà, vous avez interrogé Guy Carlier, Annie Dupéret, Francis Huster. Non, ce qui est bien, au fond, c'est qu'il y a tous les genres et tous ces sexas, finalement, vous répondre. Et vous rassure, hein, et vont nous rassurer sur le fait que ça n'est pas si grave d'atteindre 60 ans. Le bilan, c'est que tout ça est plutôt positif. Vous avez rencontré des gens en bonne santé, les autres ne pouvaient pas décrocher.
C'est le cap qui est un petit peu difficile, mais après, c'est une nouvelle séquence. Qu'est-ce qu'il y a, Obispo? Vous n'avez pas décroché? Vous n'avez pas 60 ans, vous? Ah non, j'ai pas 60 ans, non. Bah alors... Pas encore. Pas encore. Mais ça viendra. Non, je disais qu'on a regardé sur Wikipédia, elle est toujours... Il n'y a pas de date. J'ai regardé, mais vous ça m'a intéressé. Vous avez vérifié? Oui, parce que j'ai vérifié pendant que vous parliez. Oui. Soisy-Corle est toujours de ce monde. En tout cas, il n'y a pas de date d'arrêt, quoi. Ouais. Non, mais... Pardon. En tout cas, au moment où on enregistre... Oh là là, c'est terrible. Entre ici et samedi, vous qui avez chanté Mourir demain, cher Patrick Sabatier. Non, mais pas cher Patrick Sabatier. Cher Pascal Obispo. Ah, ça y est, Non, mais c'est vos conneries encore, non, Pascal. Il y a même un truc, qu'est-ce qu'elle est devenue? Oui. Que deviennent les gens après? Mais en fait, ça a bugué à ce moment-là. Il n'y avait rien. Mais sinon, il n'y a pas de. On la verra peut-être chez Thierry Ardisson un samedi soir dans la rubrique T'étais où? Voilà. Patrick Sabatier, 60 ans et alors, c'est chez Michel Lafon. Christine O'Krent, Les oligarques, Le système, Poutine, chez Robert Lafon. Hein. Michel Lafon pour Patrick et Robert pour Christine, il ne faut pas les confondre. Les oligarques qui nous emmènent non seulement en Russie, à Londres, mais aussi à Monaco, hein, parce qu'ils fréquentent aussi la principauté, ces milliardaires russes, qui parfois finissent mal au cimetière. Moi, je trouve qu'il faut pas, ça, il fait pas bon être milliardaire. Millionnaire, c'est bien. Milliardaire, c'est trop. Et là, c'est hyper milliardaire. Hyper milliardaire. Ivolovlev, le type qui possède la S Monaco, a été condamné à payer à sa femme, à son ex-femme, modique somme de 3,295 milliards. C'est ça, ouais. Alors, la dame ne les a pas encore touchés. Non, elle va repartir avec deux joueurs de foot. Normalement, ça équivaut à peu près au... Elle a voulu trois équipes pour ce. Je crois qu'elle a voulu racheter le club de Nice, non, c'est ça, pour concurrencer son mari. Oui, juste pour l'enquiquiner à un moment donné. Et puis, bon. On en reparlera quand vous serez dans ce fauteuil, mais c'est tout de suite Pascal Obispo, le premier à passer. Face à mes camarades, Léa Salamé et Aymeric Caron. Avant de revenir sur Kiss and Love et ce disque que vous retrouverez dès lundi au profit de la lutte contre le sida, même si on en a déjà pas mal parlé aussi grâce à la ministre, parlons de votre actualité personnelle à vous, Pascal Obispo. Et je trouve que ma camarade Léa Salamé a eu raison de dire qu'au fond, il suffit d'écouter un album best-of ou d'aller voir un de vos concerts. C'était plus vrai sûrement encore sur la tournée précédente millésime que sur l'actuelle avec les nouvelles chansons de l'album Le Grand Amour, pour voir un peu combien, au fond, vous avez signé des tubes, j'aime pas trop ce mot-là, mais des gros succès, en tout cas, ces dernières années, pour vous ou pour les autres. Elle a eu raison, elle a dit Goldman, elle a cité Michel Berger avant, dans un autre style, il ne faut pas l'oublier, Barbolivien, qui quand même a... Non, j'allais dire avant Barbolivien qu'ils avaient tous arrêté, mais... Ah bah oui, Barbolivien, lui, continue. Non, il a continué, oui, bien sûr, non. Il a moins de succès, mais il continue. Pourquoi vous vous marrez? Non, je vous ai fait une blague. Non, mais Paul Naref, il n'a pas écrit pour les autres. Qui ça? Paul Naref. Il a fait des musiques de films. Des musiques de films. La Folie des Grandeurs, notamment, qui est... C'est vrai. Ouais. Mais vous avez... Je suis incollable, attention. Vous avez ce truc en plus, oui, bah, on ne va pas vous coller sur Paul Naref, hein, ça c'est sûr, mais vous quand même, ce truc en plus que non seulement vous avez vos propres succès, mais effectivement il y a tous ces succès aussi que vous avez signé ou co-signé pour les autres, pour Zazie, vous travaillez beaucoup avec Zazie. Je me souviens qu'à une époque, quand je travaillais, c'était mes débuts sur France Inter, vous étiez inséparables avec Zazie, on vous voyait débarquer tout le temps tous les deux avec vos casques en scooter ou en moto. Vous continuez à travailler beaucoup ensemble? On a travaillé dernièrement, mais on se voit en plus très souvent, puisque c'est une bonne camarade au Resto du Cœur qu'on fait tous les ans depuis maintenant. On a dû commencer en 97. Voilà. C'est un auteur que j'adore, qui est un auteur remarquable avec qui j'adore croiser le fer, comme elle dit. Ouais. Et chanter des chansons, justement, des autres, certes, que vous avez signé pour la musique, c'est facile, par exemple, reprendre Zen. C'est génial, hein, d'ailleurs, dans le DVD de la tournée millésime, quand on vous voit réinterpréter cette chanson, descendre dans le public. J'adore descendre dans le public. Ouais. J'adore être au contact des gens. C'est d'ailleurs pour ça que... Il y a une jeune femme qui s'en souvient encore, elle ne s'est pas lavée depuis. Non, c'est d'ailleurs pour ça que pendant cette tournée, on a commencé donc millésime dans les petites salles. Là, on a décidé de finir avec 30 dates dans les Zéniths. Mais j'avais pas envie de perdre la proximité que j'avais eue avec cette tournée-là. Et c'est pour ça qu'on a construit une deuxième scène qui est près des gens,
pour pas qu'ils aient l'impression encore de voir le chanteur très très loin. Enfin, moi j'ai cette impression-là quand je vais au spectacle, quand je suis assis sur la tribune et qu'il n'y a pas d'écran, je trouve ça assez, comment dire, presque désagréable. Et j'ai besoin de voir le chanteur, la personne que j'aime, chanter les chansons, mais le voir de près, voir le toucher éventuellement, ou la toucher, mais... Enfin, je veux dire... Tout voilà. est permis. Non, mais c'est vrai que le public, il faut... Non, mais c'est vrai que vous le touchez beaucoup. Il faut... dans la scène, parce qu'il il a faut fait le considérer, construire... quoi. Il faut considérer les gens qui viennent vous voir. Et c'est vrai que, par exemple, enfin, après les concerts, moi, je vais toujours aussi dehors pour les voir, faire des photos, signer les autographes. Enfin, bon, pour moi, c'est important de le faire. Donc, c'est important d'être proche des gens qui sont là pour vous et qui ont fait que vous avez, 23 ans ou un peu plus de chansons, de tournées. Je ne l'ai pas fait tout seul, quoi. C'est avec ces gens-là. Donc j'ai besoin de, entre guillemets, de rendre quelque chose, j'ai l'impression. Voilà, donc. Que de succès, en tout cas. C'est vrai, elle avait raison, Léa, ou Emery, quand il disait que certains pourraient ne pas aimer Pascal Obispo. Après, c'est une affaire de cook. Ce n'est pas ma cam, comme on dit dans ces cas-là. Et on peut respecter. Non, ce n'est pas mon cas. Mais voilà, certains peuvent ne pas aimer Pascal Obispo, mais on ne peut pas nier le fait, en tout cas, que ce sont maintenant des chansons qui appartiennent toutes, pour la plupart, à la mémoire collective. Et c'est assez rare, ces dernières années. Juste pour moi, comme ça, pas vous demander de chanter les chansons, je vous rassure, Pascal, mais juste trois mots de chacune. Un refrain à chaque fois, pour donner une... Donc vous allez me demander de chanter. Non, pas de chanter. Trois mots, juste comme ça, une évocation rapide, parce qu'on va aller très très vite, juste pour qu'on se rende compte un peu, qu'on fasse un zapping de toutes ces chansons. Lucie.